Me croirez-vous si je vous dis qu'on a en ce moment avec nous dans ce studio Kofi Olomide? Yeah! 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 On est très très content de vous recevoir. Bonjour! Mais je suis ravi d'être en face d'une équipe aussi charmante. Bon, il nous donne les points. Hein. C'est bien que vous nous donnez les points. Vous faites notre atalakou. Je fais votre atalakou. Oui? Une équipe charmante, une équipe dynamique. Oui, dynamique. Ouais, vraiment, qui fait envie, qui donne envie. Merci. On est très honorés. On est vraiment très honorés. Moi, quand on m'a dit que je ferais l'interview de Kofi Olomide, j'ai dit, est-ce que j'ai l'âge pour l'interviewer? C'est pas l'âge. C'est pas l'âge qui importe, c'est le talent. Oh, ça, c'est bien dit. L'amour aussi. Exactement. Voilà. J'ai dit, moi, je l'ai connu grâce à ma maman. Aujourd'hui, mon fils, il vous connaît grâce à moi. On part de génération en génération et franchement, moi, je voulais vous remercier pour votre musique qui est intemporelle et qui traverse toutes les générations. Vous nous bercez depuis on ne sait combien de temps. C'est un honneur de vous recevoir. C'est vraiment un honneur. Je suis moi-même flatté, très touché, très ému aussi. Merci. Voilà. Alors, on va parler de ce concert. Oui. Ce concert qui démarre dès ce soir au Palais des Congrès. Pardon, demain, c'est le Palais des Congrès. Dès ce soir, au Palais de la Culture. Alors, ça fait quoi de revenir à Abidjan? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué ici? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en elle-même. Moi, j'ai démarré au plan interafricain, si tu veux, à Abidjan. Oui. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Djira Youssouf, qui est réalisateur télé, un mec hyper talentueux, qui un jour, comme ça, m'a envoyé un message, comme vous voulez ici. Je ne réalisais pas. D'accord. Jusque-là, je sortais des études déjà. Okay. Et puis, je faisais mes plans Congo, Congo-Brazza. Et puis, à Abidjan, à l'époque, c'était vraiment la plaque tournante. Ouais. Donc, rester ici, c'était grandiose, c'était un honneur. Il y avait les Sam Mangwana, il y avait ces grands-là, comment j'ai oublié d'autres. Il y avait Salif Keita dans le temps aussi, Et ils m'ont appelé, moi, je dis, bon, il y avait une émission célébrissime, Afrique étoile, avec Massi Domingo. J'étais impressionné. Et quand je suis venu, on m'a présenté, tout le monde a applaudi, s'est levé, mais alors vraiment de façon chaleureuse et frénétique. J'étais vraiment ému, donc c'est parti un peu d'ici. C'est comme ça qu'on me demandait partout, Mali, dans tous les pays d'Afrique. Donc ça démarrait quand même. Donc j'ai une dette à vie. Je ne peux pas, moi, vivre avec la Côte d'Ivoire qui me tourne le dos. J'ai souffert 3 ans à cause de ce. J'appelle ça malentendu. Oui, entre malentendus. Et j'aimerais beaucoup qu'après aujourd'hui, après cette tournée, que ce soit derrière nous, que l'eau coule de nouveau normalement sous le pont. Je pense que l'eau a coulé. Je pense que c'est derrière nous, effectivement, parce que les Ivoiriens sont très contents de vous savoir de retour. On a un engouement partout dans la ville. Tout le monde, en fait, Mopa reste Mopa, ou quels que soient les problèmes. Et une fois qu'un problème est reconnu et que le pardon est sorti, moi, je pense que le plus dur a été fait. Donc, les Ivoiriens pardonnent, effectivement. J'imagine qu'ils seront là, qu'ils vont communier avec vous à cette messe-là. Et moi, je sais que tout est derrière nous aujourd'hui. Donc, on démarre aujourd'hui, vendredi 21 décembre au Palais de la Culture de Trècheville à partir de 18h. Vous êtes venu avec qui? Tout le quartier latin. On vient célébrer nos 32 ans. Mm-hmm. Le quartier latin, c'est plus vieux que... Yes, ouais, vraiment, c'est plus vieux que moi, je reconnais. Donc, on a connu des Vertes et des Pamures. Et là, tout le monde est là. La chanteuse Cindy Lecoeur. Yes, même si c'est autre. Évidemment, évidemment. Et on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour se faire vraiment pardonner, pour que cette place soit vraiment tournée. Moi, je demande à la famille que la famille Tchatcho de se reconstruire, d'être debout aujourd'hui, avec de la culture. Moi, j'ai vraiment envie, je sais que je serai au bord des larmes de les revoir, mais il fallait passer par cette case pour essayer de tout reconstruire de nouveau. Et les retrouvailles sont encore plus belles. Donc, vous avez entendu l'appel de Kofi Olomide, que la famille se reconstruise et que tout le monde soit ce soir au Palais de la Culture à partir de 18h pour la grande messe avec le quartier latin au grand complet. Franchement, les spectacles de Kofi Olomide ne se racontent pas du tout. Vous savez très bien de quoi il s'agit. 32 ans, c'est pas rien. Donc, ils seront là. Et il y a un autre spectacle qui est donné samedi 22 décembre.
Au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Oui, ça c'est, on a dit, c'est pour les VIP. Ouais, pour les gens comme toi, comme Olivier, comme Nadège. Comme Nadège, Olivier Lavigier. C'est du coffee. Moi j'ai quoi 400, 500 chansons. Wow. C'est chaque fois un problème de construire un répertoire pour un concert. C'est de 15, 20 chansons, c'est toujours compliqué. Mais on s'y met depuis, on s'y attelle depuis quelques temps. Et donc je pense que ça va se passer bien. Mais les gens verront qu'il y a du cœur dans chaque chose qui va se passer. Dans la façon de monter, d'arriver sur scène, d'interpréter les chansons. On n'arrête pas d'en parler. J'ai vraiment envie d'y aller. J'ai un peu le vertige là ce matin. L'artiste m'a hâte d'y être. Ouais. Ça fait 3 ans. C'est-à-dire la dernière fois, c'était le 26 décembre. Oui, c'était en décembre aussi. Voilà. Le 26 est là. Donc, 5 jours. Là, 5 jours, c'est ça, il y aura 3 ans pile que j'ai vécu sans être chanteur à Abidjan. C'est cruel. Oh. J'étais partout. Après, ici, je vais en Afrique du Sud en concert à Boucher, au Sénégal. Mm-hmm. Je vais retourner au Rwanda. Mm-hmm. Et toujours pas d'Abidjan. Mais là, ça va s'arrêter aujourd'hui. Yes. C'est un moment de ma carrière. Un grand moment. Voilà. Et on sera là pour partager ce moment avec vous. Les tickets sont disponibles dans tous les points de vente habituels. L'entrée est à 5 000 et 10 000 francs VIP. Et justement, si vous êtes en train de m'écouter, moi j'offre des tickets maintenant aux personnes qui m'appellent au 225-08-200. J'ai quoi 5 tickets seulement à offrir parce qu'il faut que vous achetiez le reste. Donc 5 tickets si vous m'appelez maintenant au 225-08-200. Et on rappelle pour le samedi 22 décembre au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à 21h, l'entrée est à 20 000, 30 000 et 50 000 francs. VIP. Bon, mon téléphone trépite. On va vous donner le privilège de parler à Koffi Olomide. Allô? Allô? Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Vous vous appelez comment? Kouato Yannick. D'accord. Yannick, qu'est-ce que vous avez à dire à Koffi Olomide qui est avec nous? Vous êtes un fan? Quelle chanson de Koffi vous aimez? Est-ce que vous pouvez fredonner cette chanson-là? Oh, Yannick, c'est un jeune, hein. Yannick, c'est un jeune fan, c'est ça? Donc, pour fredonner celle-ci, on va entendre. que dit-il? Félicitations, Yannick, tu as gagné ton ticket pour le concert de Koffi Olomide ce soir au Palais de la Culture de Trècheville. Rendez-vous à Trace FM maintenant, avant 17h, pour récupérer ton ticket, c'est bon? Je t'en prie. Allô, qui est avec nous? Est-ce qu'il y a un vrai fan? Moi, je sais que c'est un vrai fan qui est avec nous là. Allô, bonjour, vous appelez comment? Bonjour, monsieur. Vous appelez comment? Monsieur Kwasi Kwaku Lazare. Vous écoutez Koffi Olomide depuis combien d'années? Waouh! Donc, quelle est la chanson grâce à laquelle vous avez découvert Koffi Olomide? C'est difficile. Bon, quelle est la chanson que vous aimez le plus de son répertoire? Lui-même, il a trop de rire ici. Donnez-lui la vraie prononciation et le sens. Écotité. Écotité signifie? C'est pas rentré. C'est pas rentré. Ouais. D'accord, ok. Mais non, c'est un double sens. Mais non, il n'y a qu'un sens. Mais non, d'accord. Dans la tête des gens, d'accord. Il y a un sens. Ok, donc écotité. Vous avez entendu, c'est Koffi Olomide qui vous a répondu, hein. C'est lui. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre, de lui parler? Vous aurez la possibilité de le voir sur scène ce soir. Passez prendre votre ticket à la radio, avant 17h, aujourd'hui. Merci à vous. Allô? Allô, il faut éteindre votre radio, s'il vous plaît. Allô? Oui, la radio n'est pas éteinte. Voilà, vous appelez comment? Yasmine comment? Yasmine Ndiaye. Ndiaye, sénégalaise? D'accord. Yasmine, quelle est la chanson de Koffi Olomide que tu aimes plus que tout? Mais tout le monde adore Selfie en Côte d'Ivoire, c'est ça? D'accord, ok. Yasmine, viens prendre ton ticket avant 17h à la radio. Allô? 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 Bonjour, c'est qui? Diabagaté comment? Mohamedou Diabagaté.
Est-ce qu'en dehors de Selfie, il y a une chanson de Koffi Olomidé que tu aimes? C'est quelle chanson? Son featuring avec Fally. Comment on chante ça? Pharmacien. Ah bon? Ah, d'accord. Le titre, c'est Pharmacien. Pharmacien, ouais, ouais. Et tu as dit comment on chante ça? Faut pas te décourager. Oh. C'est la chanson que tu chantes à ta chérie quand elle est découragée, c'est ça? Félicitations, Mohamedou. Passe prendre un ticket à la radio pour assister au concert de Koffi Olomidé ce soir à 21h, à 18h, au Palais de la Culture de Trècheville. Bon, dernier auditeur. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour, c'est qui? Koulibaly Brissa. Partagez avec nous votre expérience avec Koffi Olomidé. Tueur de lion. Est-ce que vous savez interpréter cette chanson? Hein? D'accord. Ouais, super. Il est mort de rire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Koffi Olomidé? Un message d'affection. D'accord. Eh bien, vous aurez la chance, le privilège de le voir sur scène avec le Quartier Latin ce soir au Palais de la Culture. Venez prendre un ticket ici à la radio avant 17h. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Donc, quoi qu'on dise, Monsieur Olomidé reste, demeure dans le cœur des Ivoiriens. C'est bon à savoir. Et ils seront là. Ils vont répondre présents à cette grande messe. Vous êtes content? Vous avez hâte? Honnêtement, je n'en doutais pas. Vous savez, il y a des moments comme ça. Comme sur le terrain, il n'y a toujours pas d'homme parfait. Exactement. Il y a des moments comme ça, mais douter de ce que il y a une petite place pour moi dans le cœur des Ivoiriens, non, j'en suis pas arrivé à ça. Et aucun Ivoirien ne croit que Koffi Olomidé ne les porte pas dans son cœur. Moi, j'aime ce peuple, j'ai mes meilleurs amis ici. Et voilà, aujourd'hui, je suis content, je suis là, et puis on va ça, se faire du bien ce soir. J'invite vraiment, vraiment tout le monde à être là. Il va se passer quelque chose d'un peu magique. Yes. J'invite même Olivier là aussi. Ah, le boss, vous savez qu'il nous écoute de là-haut. Tu lui dis que j'ai aussi une chanteuse dans le groupe. Hey. Donc, monsieur Lamoché, le message est passé. Voilà. Alors, on va essayer de soutenir un peu quelques informations à Koffi Olomidé. Oui. 32 ans de carrière, 32 ans de répertoire, 32 ans voire plus. Est-ce qu'on songe à une fin de carrière? Non. Pas maintenant. Hein. Non, on songe à être bon, encore et encore, à être digne de la confiance du public, à mériter la considération du public. Mm-hmm. Voilà, on a ces sortes de voir qui est comme ça en moi, et je ne pense pas au contraire, tiens, le 27 août, je vais m'arrêter, non. Non. Toi, tu penses à t'arrêter à la radio? Non. Voilà. Non. Quand on aime, franchement, on ne pense pas au divorce. Exactement, on pense pas à la situation. Voilà. Et parmi les enfants, qui, selon vous, aimerait faire de la musique? C'est pas Didi Stone? Didi Stone a tous les talents, c'est une mais c'est parce qu'elle veut. À cet âge-là, elle ne dit pas. Je l'ai fait chanter une fois dans mon studio. D'accord. Incroyable. Wow. J'avais des frissons, je me suis assis. Wow. Je n'arrivais plus à tenir au début. Elle a chanté d'un truc. Il y a sur un de mes titres. J'ai mon nouvel album qui va arriver. Et il sortira quand? En 2019, je ne sais pas à qui dire. D'accord, le nom de l'album? Legend. Il y a un futur merveilleux avec Pierre Sauvage. Oui, oui, il y a des grands moments. C'est vraiment un album, un grand, grand album, j'ose le dire. D'accord. Donc, Didi a chanté une fois au studio, c'était incroyable. Et puis, il y a un titre qu'on interprétait. Mm-hmm. Elle a voulu faire les percussions d'elle-même. Mais alors d'une justesse incroyable. Waouh! Bon, en même temps, c'est inné, c'est la fille. Voilà, c'est-à-dire, elle ne sait pas, elle n'a rien recommencé, elle dit d'un trait, elle a fait le tchac. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dans la vidéo qui a déjà été tournée, c'est écrit featuring Didi, percussion. Ah,
C'est beau ça. Je suis tout fier de... C'est beau. En tout cas, c'est beau de savoir qu'elle a cette graine, elle a ce talent en elle, et elle a de qui tenir en tout cas. Et parlons des featuring, j'ai entendu Davido et Tiwa Savage. Il y a cette nouvelle génération également qui a grandi avec Koffi Olomide, qui est admirative. Il y a MHD qui a même publié une vidéo que vous avez commentée sur Instagram, voilà, qui est très fan de Koffi Olomide. On doit faire aussi un truc pour l'album. Voilà. Voilà. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais parce que c'est toi. Voilà. Donc, c'est bon à savoir qu'on continuera d'être bercé par cette musique. Et on est toujours attaché à la musique africaine, à la rumba. Quelles que soient les influences, quels que soient les apports, moi, c'est ce que j'aime. La particularité, c'est qu'il y a une espèce de... C'est un condensé, voilà, de tendance actuelle et des rythmes éternels. La rumba, c'est éternel. Donc, c'est un changement dans votre style. Les gens sont surpris de la direction qu'il y a. C'est incroyablement beau. J'ai hâte. Voilà. J'ai hâte. On a hâte, j'ai envie de dire. Ouais. Merci. Moi, j'ai même pas envie de laisser partir. C'est vrai? Ah, non, mais il faut bien qu'elle continue à travailler. Oui. Là, on s'est amusé. Alors, j'invite tout le monde à être... Tout à l'heure, on parlait de la culture. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin de tout le monde. Et moi, je suis là pour leur montrer que le respect, leur amour est là, intact. Voilà. Et puis demain aussi, à parler de... Les congrès de l'équilibre. Voilà. Je remercie en passant Idil Diallo, toute l'équipe qui a fait que je revienne en Côte d'Ivoire. Et puis, celui qui organise la tournée pour moi, Mambi. Mambi, voilà. Le jeune Mambi, voilà. Jeune efficace. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Merci à vous, merci. Revenez tout le temps. Vous ne restez pas trop loin de nous, on ne supporte pas de vous avoir loin. Revenez tout le temps. C'est vraiment réciproque. Merci. Et on va se dire à ce soir. À ce soir. Merci. Content de te retrouver.